Et bonjour, c'est Missien, bienvenue dans l'épisode 3 de Ragecraft 3, la prophétie. Alors, on s'était arrêté à l'épisode 2, on avait un peu avancé dans le village. Je me rappelle, on était allé à la mine de charbon. On était même descendu dans la petite vallée, là, dans l'eau, pour aller chercher des émeraudes. Et on avait pas mal avancé. Du coup, là, c'est l'épisode 3, on avait dit qu'on allait commencer à rentrer dans le village, à explorer tout le village et à tuer tous les villageois corrompus qui sont pas gentils. Donc là, je suis revenu... de la cascade. Dans le précédent épisode, on s'était quitté en bas de la cascade, donc je l'ai remonté et je suis revenu ici pour ranger un peu mon stuff. Voilà, vous pouvez voir qu'on a deux émeraudes, il y en a 9 dans cette zone, je rappelle, 9 émeraudes et une laine, non c'est pas une laine, un cristal blanc. Voilà, pas mal de nourriture, ça c'est cool, beaucoup de pastèques, je dis melon à chaque fois mais non, c'est pastèque, et ça continue de pousser, donc ça c'est cool. Notre ferme, ça va, elle est assez grande, je vais pas l'agrandir plus. Je pense pas qu'il y en ait besoin. Au niveau du lac, ça lag pas du tout, ça c'est cool. On est à 30 FPS. Stable. Donc ça va. Et ben, je pense que, en plus je suis stuff, ben on va y aller directement. Le seul défaut, c'est que j'ai pas de blocs, donc j'ai pris du bois. Moi j'ai l'habitude de prendre des blocs pour les poser, genre pour grimper, etc. Mais bon, il y a des maisons. Ouais, des fois ça peut être utile, genre la tour là... Grimper en haut, ça peut servir. Mais bon. On verra. Au pire, on griffera un peu les pierres. Hein, voilà. Ou le bois. On trouvera des blocs, vous en faites pas. Bon, du coup, j'ai un peu nettoyé le devant, donc ça va. C'est plus calme, on devrait pas se faire attaquer tout de suite. On était allé ici, donc l'émeraude était dans cette maison. Cette maison, on l'avait faite aussi. Après, je vais pas regarder le reste, s'il n'y avait pas des passages secrets. De méchants squelettes. Ça va, je prends pas cher. Par contre, mon armure, elle doit prendre cher. Donc, ça doit bien user. Alors, je regarde de partout s'il n'y a pas des trucs. Genre là, vous voyez, il y a une genre de... Ouais, c'est peut-être normal. Plateforme, mais bon. J'irai pas voir, il ne doit pas y avoir grand-chose dessus. Par contre, c'est bien de faire voir derrière les maisons s'il y a des coffres. Au cas où. Ouah ouah ouah. Non, je t'ai pas vu. C'est pas du jeu. Bon. Je peux pas laisser un trou comme ça dans ce magnifique village. Donc je vais reboucher. Et oui. Vous aimez peut-être pas, mais bon. Hop. Moi je rebouche. Tout ça. C'est juste qu'on n'a pas assez de blocs pour reboucher, mais bon. Bah, on va prendre des blocs. Ouf, on va enlever l'arbre en fait. Hop. Hop. Tranquille, moi je m'installe dans le village. Hein. Je vais même crafter une pelle. Car je n'ai pas eu encore de pelle. Voilà. Et avec ça, on va aller prendre... J'allais dire de la terre pour boucher, mais bon. Il n'y a pas vraiment de terre ici. De dispo. Oh. Le méchant villageois corrompu. Tac. Je vais en prendre là-dedans. Personne ne me suit, ça va. Ils arrivent en masse. En fait, j'ai attaqué un village, un zombie. Ça a attiré les autres. Ça doit être pour ça. Et voilà. Ah, ça par contre, je le reprends. C'est important. Oh, on entend un bruit de fosse. Alors. J'ai vu aussi que mon son, quand je parlais, ça saturait souvent, quand je parlais fort. Du coup, j'ai essayé de diminuer mon micro, de monter un peu le son du jeu. Comme ça, vous entendrez un peu mieux le son du jeu, déjà. Et vous m'entendrez peut-être un peu mieux. Mais bon, mon micro est pas extra. Donc voilà, il y a des fois, on n'entend pas très bien. Mais dans l'ensemble, ça devrait aller.
Bon, on a fait cette zone. Il reste juste en haut de la maison, ici, mais je pense qu'il y a un accès là. Voilà, il y avait la tour qu'on voyait qui est juste là, donc il faut monter. Donc montons. C'est parti. Je sais pas ce qu'il y a là-haut. Apparemment, il y a des squelettes. Ça spawn direct en masse des squelettes, c'est dur. J'aime pas trop les squelettes en plus. Wow. Méchant. Non mais oh. Ouh. Il a du mal à mourir lui. Oh là là. Il y a des squelettes de partout. En fait j'aimerais éclairer ça avant que ça respawn. Ouais ça spawnait. Il m'a peut-être pas vu. Non il m'a pas vu. Tu ne m'as pas vu. Moi je te vois. Alors, du charbon, ça c'est cool. Je sais pas si j'ai gardé sur moi ma pioche fortune. Oh. Oust. À mort le creeper. Il y a une mini maison là. Ah non, c'est le pilier qui tient le drapeau. Autant pour moi. Alors, est-ce que j'ai ma pioche spéciale? Non. C'est du charbon, je pense qu'il a faux, donc je vais la prendre. Lui qui ne voit pas. Tu es aveugle. Oh, par contre, il tire vite. Il tire vite les flèches. Hop. Alors un peu régène. Hein. Mangeons. Je sais pas d'où il est sorti lui par contre. Là c'est chaud, on va pas mourir. On fait attaquer par des creepers. Bien qu'il n'y ait pas de creeper qui peut tomber de je sais pas où. Non, ça va y avoir des barrières ailleurs. Bon, on va profiter d'être en bas pour aller chercher notre pioche. Pour récolter le charbon, le fameux charbon. C'est pas qu'il n'y en a pas beaucoup, mais bon. Le charbon, c'est bon. Oh, il y a du pain qui a poussé, enfin du blé. Voyons voir. La pioche fortune, c'est celle-là. Tac. Je vais la mettre ici pour le moment. Et j'ai plein d'arcs. Bon, je vais les assembler. Ça prendra moins de place dans mon inventaire. Puis ouais, on a des petits stuff comme ça qui traînent. Une tête. La bouffe elle descend vraiment vite, je sais pas en quelle difficulté je suis. Je crois que je l'avais mis en normal. Ouais, normal, ça va être difficile. Parce que les rushcraft en normal, voilà, c'est pas simple. Mais bon, tant qu'on meurt pas, je laisse en normal. Si vraiment en galère, je mettrai en facile. Alors. À bien manger. Il y a un spawner de creeper, j'ai bien envie de voir où il est. En plus, il y a plein de zombies. Ah, ça a spawné, j'ai vu. J'ai pas réussi à poser mon piège. J'ai vu où ont spawné les creepers. Et. Ah, il y a plein de monde. Alors le creeper il a spawné dans ce trou là. Voilà. Et là le fameux spawner à creeper. Donc là dedans je pense pas qu'il y ait grand chose. Non. C'est vide. On va sortir la fameuse pioche. Bon, on peut miner ça. Je vais pas me faire attaquer, j'espère.
NPC autour. Bon, j'entends des monstres, mais je pense qu'ils sont en haut. Il y a des barrières, ils peuvent pas venir ici directement. Là, on est en bas d'une petite maison. Il y a une maison ici à droite. Là, je pense qu'il y a un spawner. D'ailleurs, je n'ai pas pris la bonne pioche. Hop. Ah, maintenant, je les crosse tous, hein, parce que. On sait jamais. On voit, c'est corrompu, en fait, c'est de la. Comment on appelle ça? Ouais, de la matière corrompue, quoi. C'est là où ça spawn. Quand c'est rouge comme ça, bizarre. C'est que c'est pas normal. Alors, dans cette maison. Ah, j'ai vu une dalle. Il y a un autre qui arrive. Aïe! Voilà pour le spawner. Ça c'est fait. Il y a des bibliothèques, mais on en a pas mal. Je crois qu'on a plein de livres déjà. Donc, je vais laisser. Je vais m'enlever ce qui me sert pas parce que bon. J'ai beaucoup de choses qui me servent. L'arc, ça peut servir. Aïe. Et il vaut mieux bloquer l'accès pendant que je fouille. Donc, oh, une jolie pioche, pelle. Voilà, du coup, je fais une pelle, mais en fait, ça me sert pas vu que j'en ai une ici toute neuve. Voilà, la pelle en bois solide. Ici, on a une hache en bois solide. Je l'ai déjà, mais elle est plus très, pas vraiment en bon état. Des Blue Leaf Boots. Des bottes achetées de sang. Miner's Boots. Protection 1, Blast Protection 2. Et Upbreaking 2. Je vais garder celle que j'ai en ce moment. Celle-là, je les mets d'un côté. Ah, une Smite 3 qui était plus. Que j'avais perdue. Je la reprends. Du poisson. Des flèches, ça c'est cool. Du coup, je sais plus ce que j'ai posé, ce que j'ai pas posé. Ça, je devais avoir. Tac, 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 tac. Et tac. Ça, bon. Ça nous tourne autour. Il y a plein de gens. Ils vont arriver ici. Je pense. Petit, petit. Ah, j'aime cette épée. C'est la jouissance. Ça tue très vite en plus. Oh, un Enderman qui court. Oh, j'ai vu un creeper. Hop. J'aime bien tuer d'abord les creepers à l'arc comme ça. Parce qu'ils sont dangereux. On viendra prendre le charbon après. Je demande juste où ça spawn. J'ai vu qu'il est tombé du mur. Je sais pas comment. Apparemment, il y en a qui sont là-haut, c'est peut-être pour ça. Ouais, y'a pas trop de spawner. Pour le moment ça va. Coucou. Yeah. Oh, des douves. Non, pas toi. Je t'aime pas. Coucou. Bon, ça spawn de là-haut. Ça va être difficile de prendre le charbon là tout de suite. Mais bon, on va faire avec. Ah, j'ai entendu un creeper tomber. Je fais gaffe, je me méfie. C'est dangereux par ici. Ça c'est un spawner d'araignée. Ouah ! Je l'ai pas vu quoi. Ah, c'est vrai qu'il y a des silverfish. Bon, je vais pas tout reconstruire et tout réparer. Hein. Ça va un peu. Je sais pas trop d'où il spawn en fait. Pourtant, je regarde, mais. Il y a une construction étrange là-bas. J'aimerais mettre un truc là-dessus. Ouais.
sortent de là-dedans. Ouf. J'ai vu une laine. Bon, je m'occupe des araignées et des petits mobs. Qui sont pas très gentils. Je vais essayer de régène assez vite. Mange. Il y a des panneaux ici. On va aller casser ce spawner là-bas. Spawner à creeper en plus. C'est pas super. Hop, je vais fermer l'accès. On va aller voir un peu ce qu'il y a là-dedans. Spawner de villageois. Il y a notre spawner là-bas. On est vite fou là sur cette map par contre. Tiens, là il y a une émeraude. J'aime ça. Petite émeraude. Alors bah vu qu'on est vite fou, il va falloir que je m'enlève tout ce qui me sert pas. Bon, l'arc c'est pas grave, on en trouvera d'autres. De toute façon pour 1 il va durer déjà longtemps. Tous ces petits trucs là c'est pas très utile. La laine bon, je garde en souvenir, au moins je serai combien j'aurai d'émeraudes. Tac. Et le reste, ça me semble bon, je vais garder. Et je prends l'émeraude. Voilà. Un peu de torche. C'est bon. Alors, il y a quoi d'autre? Des fours vides, ça j'ai déjà. Ça aussi. Là, il y a plein de fours, mais bon, ils sont tout de suite, j'imagine. Yep. D'accord. Bon. J'aurais pensé qu'il y aurait plus de choses, mais... Il y a une émeraude, c'est déjà pas mal. Ça valait le coup. Est-ce qu'on est à la maison qu'on voyait en bas? Avec la cascade, là? Ouais, c'est celle-là. Qu'on voyait d'en bas. Donc ça, c'est fait. Il n'y a pas un étage, par hasard? Je crois pas. Non. C'est plein. Je vais aller récupérer le charbon que j'ai vu ici. Normalement, je devrais pas être attaqué. S'il n'y a pas de creeper qui me saute par-dessus. C'est pour ça que je préfère garder mes bottes Blast Protection. Protection contre les creepers. Comme ça je prends pas trop de dégâts quand on m'attaque, quand on m'explose par derrière. Donc là ça va, j'ai un peu sécurisé la zone. Bon lui il me gêne, mais est-ce que je le tue ou pas? Smite, je sais pas si c'est efficace contre les Enderman. On va pas le faire pour le moment. Ça c'est la suite. Tac. Il y a des douves. Oh! Ouais, il y a une douve ici aussi. Ça, il y a l'air d'avoir pas mal de chemin. Chemin faisable. Je verrai tout ça. Oh là, par contre, ça spawn en masse. Il y a un petit spawner là. On échange de pioche en fait. Il y a un petit spawner là-haut. Mon épée d'araignée est pratiquement morte. Enfin même mon épée smite. Alors je l'échange un peu. Est-ce que elle je la garde? Non, parce que j'en ai une autre déjà. Des fois je garde les épées parce que si on peut les réparer c'est cool. Je peux pas le faire tout de suite mais au cas où. Voilà pour ça. Plein de charbon ici, c'est cool. J'ai pas lu les panneaux du coup. Attendez, je les lise. Alors, il semble qu'il y a un peu de stone qui a été déposé ici. Oh. Et apparemment, elle est pas infestée par les silverfish. Ah bah, je vais la prendre, j'ai même pas capté. C'est vrai que la cobble, il y en a pas vraiment.
qu'on fait pas gaffe, mais c'est important. J'irai la prendre. Car ça sert. Ça sert beaucoup. Et là, il y a peut-être un autre spawner. Si je dis pas de bêtises. Ou peut-être pas. Bon, je vais prendre tout ça. La cobble, ça va servir. J'entends plein d'araignées. Voilà. Ah, j'ai cassé mon épée. Donc on a trois chemins possibles. Soit on monte, soit on passe par la douve ici, soit on passe par la douve là-bas. Donc au choix. Tandis que les araignées continuent de spawner. Ah, peut-être qu'elles viennent de là-haut. Ouais, je vois un spawner. Elles viennent bien de là-haut. Pas l'avoir d'ici. Oust. Méchante. Elle essaie de monter. Attends, j'en étais sûr. Oh, la vilaine. Laissez-moi monter. Non mais. Voilà. Je récupère. C'est bien qu'il a mis plein d'outils, donc ça va, on n'est pas court d'outils. Même quand ça se casse, c'est pas la mort. Donc je peux les utiliser sans crainte. Un petit creeper. Bon, on va prendre le premier chemin qu'on a vu, donc c'est-à-dire la douve. Voir ce qu'il y a là-bas, autant il n'y a rien. Il y a peut-être juste un coffre. Je mange un petit peu. Ouais, il y a juste un coffre. Alors, j'espère que c'est pas un piège. Parce qu'il aime beaucoup les pièges. Ça a pas l'air d'être un coffre activable. Mais bon, je me méfie. Est-ce que je l'ouvre ou pas? Je vais faire ça au cas où pour fuir en fait. Bon, j'aurai le temps de fuir. Si il se passe quelque chose. Parce que là je le sens mal. Non, c'est bon. Non, c'est rien, j'ai eu peur pour rien. Vous en faites pas, ce n'est pas dangereux. Prendre des pommes d'or, ça peut être cool. Pour régénérer assez vite. Je les garde dans mon inventaire. Bon, j'ai assez de flèches donc ça va, je peux les utiliser. On va pas monter tout de suite, on va passer par là. Dans l'autre douve. Oh, il fait noir. Tiens, c'est pas les mêmes. Drunette Tossman. Des villageois noyés. Je sais pas d'où ils sont spawn. Oh, d'accord. Le mec il saute de l'eau quoi. En effet. J'entends des bruits. Il doit être tout près. Tiens, prends ça. Bon, ils ont les mêmes... c'est les mêmes, hein. Ils ont les mêmes capacités, ils sont pas très forts. Les spawners, ça va, ils sont assez simples à trouver. Hop. Y'a quoi ici? Y'a rien. Ok, allons de l'autre côté. Je vois un coffre. Un joli coffre. Ça ce n'est rien, c'est juste un tombeau j'imagine. Aïe. On va oublier de régène. La pastèque c'est pas pratique pour ça. Ça se mange assez lentement. Puis ma bouffe elle diminue très rapidement. A chaque fois. Wow, c'est grand ici. Dis donc. Ça, ça fait mal. J'ai sauté dessus en plus. J'ai eu le réflexe de fuir le zombie, mais il a tiré sur le creeper.
Donc bon. Ah ouais, il est là en fait. Casse, 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 casse. Ah, j'aime pas les creepers. Ah, un petit spawner là-bas, c'est un spawner d'araignée. Il est pas activé, je suis allé assez loin. Je pense qu'en rushant, on peut peut-être le désactiver. Enfin, après avoir tué ce mec. Ouah, 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 tu ne mourras pas. Ouah, ils arrivent en masse. Ah, en plus ils sont rapides. Ils nagent bien les mecs. Mon épée. Ah, j'ai plus d'épée. J'aurais dû la garder en plus avant de la casser. Tant pis, on va éclairer tout ça. Je sais pas d'où ça spawn. Enfin, oui, dans l'eau en fait. Et oui, il y a plein de spawners dans l'eau. Je les ai pas vus. Hop. Bon, là-dedans, je suis à l'abri, je crois. Parce qu'ils peuvent pas venir. Oups. Oups. Donc, ouais, je suis censé être à l'abri là-dedans. Oh, tu te déplaces trop vite. Voilà. Les spawners, je pense que c'est bon. Les spawners à villageois. Voilà. Un petit coffre. Oh. Des feuilles d'arbre, ok. Bon, je sais pas, non, je vais laisser, c'est pas très utile. Bloody Boots encore. Je peux les prendre pour les combiner, si jamais je trouve une enclume. Des torches, justement, j'en avais plus. Golden Sword, on va la garder pour réparer les épées en or. Antidote. Et une autre pelle. Ouais, je la prends, mais elle est pas très utile. Ah, et des blocs, j'en avais besoin. 64 blocs, un stack, c'est bien, c'est pas mal. Ça va me servir. J'aime bien le design ici. Oh, et je vois la laine verte. Avec un panneau, il y a écrit Some Emerald. Quelques émeraudes, blablabla. Je sais pas ce que ça veut dire exactement. Oh, il y a une araignée. J'utilise pas trop mon piège en fait, je devrais. Ça peut servir. Petit creeper, je t'ai vu. Hop, hop, là-dedans, je plonge. Et eux, ils arrivent pas à plonger comme je fais, donc ça c'est cool. Ils restent en haut en fait. Ils restent à la surface. On lance des flèches. Quelqu'un me vise. Je me cache derrière les lianes. Ah, il a ton spawner. Voilà. Et je pense qu'on est arrivé au bout là. Par contre, attention au creeper. Ouah. Lui, il est arrivé à passer par contre. Il est arrivé à passer. Bon, je peux utiliser une potion de régène. Bon, ça régène deux cœurs quoi. Pas très utile. Alors, ça continue en fait, je dis que c'était fini mais non. Il y a un chemin là-haut. Ouf. Je vais tuer ce mec. Ouais, ça va me tomber dessus si je regarde le coffre, c'est dangereux. En plus il y a des émeraudes dedans. Donc on va aller enlever ce spawner et revenir juste après. Wouah. Oh god. Tous ces mecs. Bim. Voilà, bien fait pour vous. Ça spawn mais vraiment quoi. N'avancez pas. Chasse au squelette. Lui il est passé en bas. Là-bas ça va bientôt spawner, ça spawn. Hop là. Il
Reste là-bas, reste épais. Voilà. Aïe! Oh, le trou. Ouah! Stop! Je me régène. J'utilise toutes mes flèches, c'est pas bien, j'en ai combien? 23, bon. Ça peut aller, mais bon. Toi, tu peux exploser, t'es dans l'eau, donc ça me gêne pas. Ça me gêne pas tant que ça. Là, t'es plus dans l'eau. Tant pis. C'est bon. Je crois que c'est safe. On va pas ouvrir ça. Quelques émeraudes sont plus dures à trouver que d'autres. Est-ce que tu pourras tous les attraper? Oh oh. Bon, ben là, il y en aura une encore. Ouais. Et la petite laine qui va avec. Ça en fait 2, plus les 2 que j'avais là-bas, ça en fait 4. On avance, on avance. C'est sympa à faire comme petite aventure. Voilà, on a fini un peu les douves, c'était assez simple. Je vais sortir de là, aller poser mon inventaire. Et on va aller voir s'il me reste encore du temps pour continuer ou pas. Mais là j'ai deux émeraudes sur moi, je préfère les poser plutôt que de mourir. On sait jamais. Ouais, on est à peu près à 32 minutes. Donc je vais arrêter là, je pense. On va aller ranger un peu nos affaires. Se restuffer. Peut-être prendre de la bouffe qui est mieux que la pastèque. Si j'en ai assez. Je vais aller voir ça. Là, attends, je vais manger un peu. Regardez, lui, il sort de nulle part. Bon, je vais même pas te combattre. J'ai la flemme. Reste là-bas. Garde l'entrée du village. Alors, notre petite maison. Hop. Bon, c'est cool, ça n'a pas dû spawn ici, en tout cas je l'espère. Du melon tout frais. Et puis si on a eu un peu des eaux, j'aurais pas dû les jeter, parce qu'à chaque fois je les trouvais, je les jetais. C'est cool pour les plantations donc. Oh, des patates. Patates, patates, patates. Je l'ai même pas vu. C'est trop bien. Je garde les patates. Très important. Je pourrais les planter, c'est mieux que le pain. Enfin, que le blé. Je pense. Je pense que c'est mieux. Vérifier. Plein de cobble aussi, ça je range. Des émeraudes aussi. La petite laine. Ça, je vais en déposer une partie. Tac. J'ai eu mes armes. Va falloir faire plus de coffres. Je vais faire ça peut-être en off. Parce que là, j'ai pas mal de choses à ranger. La patate. Puis j'ai des trucs qui servent à rien. Genre une bouteille. Tac. Voyons voir, j'ai une petite binette quelque part qui traîne, hop. Je vais la mettre là-bas et on va planter un peu nos patates. De ce côté-là. Enfin, nos patates, il n'y en a qu'une. Je fais gaffe parce que la dernière fois, il y a un creeper qui m'est tombé dessus, ici. Donc bon, j'ai un peu peur, là. Que ça refasse pareil. Voilà. Bon, je vais un peu gérer mon agriculture en off, je vais ranger mon inventaire. Et puis on se retrouve très vite pour l'épisode 4 de Rushcraft 3, la prophétie. Prophétie qui va peut-être être accomplie. En tout cas, je l'espère. Ça, c'est bien quand il y a des sorcières, des antidotes. Voilà, bon, bah, j'ai à peu près fini pour cet épisode. Je pense que c'est bon, on va s'arrêter là. On va pas retourner dans le village. On verra ça dans la prochaine. Un prochain épisode, on montre un peu plus haut dans le village. Et qu'est-ce qu'il fait là, lui? Genre le ninja squelette. Bon, mais j'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve très bientôt pour les épisodes 4. Et je vous dis à la prochaine. C'était Mycien.